Je veux explorer cette nouvelle zone. Je dois pouvoir utiliser le téléporteur pour m'y rendre. Eh bien, c'est parti. Allons faire ça. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. C'est KiriTalkNight 064. J'espère que vous allez bien. On est là donc pour la suite de votre Let's Play sur Sword Art Online. Hollowellization. Et il y a pas mal de choses à faire. Mais on va commencer donc par explorer la nouvelle zone si on n'a pas de contretemps. Parce qu'on sait comment les événements nous tombent au coin du nez dans ce jeu. Voilà, bon, on va déjà vider tout cet inventaire, mais c'est pas super utile. Pourtant, il me semblait que j'avais des trucs en plus. Non. Non. C'est bizarre. Je ramasse tout ce que je trouve. Et pourtant, j'ai pas de... Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Pourtant, je les ai. Pourquoi ça apparaît pas dans l'inventaire? Bon, faut pas chercher. Allez, c'est parti. Début de l'exploration. Allons voir cette nouvelle zone. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est celle du lac. Du lac avec les cristaux, les coraux, tout le bazar. Mais je veux pas dire de bêtises. Je me trompe peut-être. C'est peut-être le désert. Je sais plus. Oh, je sais plus. Ah. Yo, Premia. Qu'est-ce que je disais sur les événements qui nous tombent au coin du nez? どこか行くところですか?俺か?別にこれといった予定はないけど。予定がないということは、つまり暇ということですか?まあ、そうなるかな。そうですか。どうした? 一緒に出かけたいと思っていますが、無理にお願いするのも悪いので黙っています。え?じゃあせっかくだから一緒に出かけようか。わかりました。そこまで言うのなら出かけましょう。ああ、どこで覚えてきたんだ、こんなテクニック。 奇遇だね。こんにちは。二人でお出かけですか?まあ、ばったりやってさ。ここんとこプレミアはあんたにべったりね。そんなことないって。みんなも一緒にいたりするだろ?何慌ててんのよ。別に変な意味で言ったわけじゃないってば。なんて言うのかしらね。 この子も私たちと同じ気持ちなのかなって。それわかります。あ、きっとプレミアちゃんも信頼しきっているんだと思いますよ。話がよくわからないけど、みんなといると居心地がいいって話だよな。うん、そういうこと。それで、そっちは何してたんだ?3人でクエスト消化か?いえ。 私たち今揃ったばかりで何をするか決めていないんです。あ、そっか。プレミアちゃん、どうしたの?みんなで一緒に出かけたいと考えていますが、私が決めることではないと思い、
黙っています。え？また不思議度が増したわね、この子は。どうかな、みんな。せっかくだし、揃って攻略を進めるっていうのは。私は大丈夫です。プレミアちゃんもそれを望んでいるみたいですし。うん、私も付き合うよ。じゃあ、みんなで一緒にフィールドを歩き回ってみましょうか。よし、それじゃあ出かけよう。 Je sais pas où on va, mais on y va. On va remettre la zone à explorer pour plus tard, je pense. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'il y a une zone au sud-est du marais qui est liée à la quête de Première. Tu veux y aller? On passe devant Première et toi, vous nous suivez, d'accord? Ok. On devrait rejoindre le téléporteur quand on sera prêt. Oh là là là, on peut jamais faire ce qu'on veut ici. Déjà, allons rendre les quêtes annexes. Donc si j'ai bien capté, on est bloqué avec Première. Ouh, il y a de quoi rendre. Ça sert d'attaquer les monstres automatiquement sans réfléchir. Peut-être falloir que, hors vidéo, je me concentre vraiment sérieusement à ces quêtes annexes. Il y en a plein qui sont dispo aussi. Eh ben, on va tout prendre, hein. Écoutez, on les fera en chemin comme d'hab. Hein, on spamme le bouton. Ouais. Accepter la quête. Oui. Accepter la quête. Oui. Accepter la quête. Oui. Accepter la quête. Oui. Accepter la quête. Oui, bien sûr. Accepter la quête. Mais oui. Pas les violettes, elles sont chiantes. Les violettes, je les accepte quand je sais que je les ai faites. Après, on s'en retrouve avec des quêtes plein d'inventaire. En plus, je sais même pas s'il n'y a pas un nombre limité qu'on peut transporter de quêtes. Allez, ça c'est fait. Bon, du coup, je suis obligé de faire équipe avec Première. On peut pas changer. C'est pas la première fois que le scénario nous l'impose. Je sais que t'as des armures complètement à la noix, mais on peut toujours essayer. Alors, celle-là, j'aimerais bien la prendre toujours. Le truc du départ. Hein. Bon, ça c'est moche. Ça c'est moche. Moche. Ça, ça irait encore. Hein. C'est moche, mais c'est pas que c'est moche en fait. C'est que ça correspond pas à Kirito. Il aurait son manteau de minuit de Sword Art Online ou même le costume qu'il a sur Alfheim Online à la limite avec les espèces de poils au niveau de la tête, au niveau du col. Je dirais pourquoi pas. Mais là. Merci pour vos achats, nous espérons vous revoir bientôt. Allez, salut. Toi, t'as des épées sympas peut-être? Non, parce que la mienne elle fait pitié quand même. Celle-là elle est classe. C'est l'épée de base. Non, je veux pas une épée de pirate. Celle-là j'ai dit qu'elle était moche. Ça, ça c'est la même. Celle-là elle est pas mal. Hey, j'ai presque envie de prendre celle-là. Elle est bleue, elle est bleutée. Allez. Est encore plus nulle que celle que j'avais, mais c'est pas grave. On fera encore moins de dégâts contre les boss. On va aller l'améliorer un petit peu chez Lisbeth pour pas être trop à la ramasse quand même. Je suis fou, mais pas que. Alors, c'est l'heure d'améliorer tout ça. En espérant avoir assez de matériaux pour tout. Déjà, on va améliorer la lame, du coup. Parce que, ouais, de 67, elle a passé à 72 d'attaque. On spam. Évidemment. Fais de ton mieux, Elise. Voilà, elle est passée donc à 77. On va essayer de la faire passer à 82. Non, ça veut pas. Non, il va passer à 82, oui. On va spammer le bouton. Voilà, la lame fait 82 de dégâts. On continue. Celle que j'avais avant, elle en faisait 84. Allez, on spamme encore. Par contre, elle avait plus 20 de force, dextérité et compagnie. C'est pas grave. Voilà, elle est passée à 85. Donc déjà, elle fait plus de dégâts que la lame précédente. Si elle pouvait passer à 92... Oui. Ah, j'ai plus les matériaux. Je peux améliorer le manteau?
c'était trop beau pour que ça ne marche pas. Pas assez de matériaux du coup. Celle-là, c'est plus la peine. Les bottes, tente les bottes. 88 de défense pour les bottes. Ah, c'est fini. C'est fini. Et j'ai plus rien à améliorer. Bon. Allez. Pour la forge, c'est tout. Merci, Lise. À la prochaine. Faudrait me faire des réductions de temps en temps. Quand même. Bon, du coup, place du téléporteur, on a dit, mais... Ah, j'hésite. J'hésite. Parce que ce forgeron-là, peut-être que... Je peux en tirer quelque chose où il me demande exactement les mêmes matériaux. Ouais, c'est ça. Non, tant qu'il manque les matériaux, c'est pas la peine. Arigatona. Allez. Bon, direction la place du téléporteur. On va faire la quête de première, du coup. C'est étonnant que ce soit pas Hasuna qui l'ait trouvé pour la faire avancer. Ça m'étonne. Enfin, il y a un début à tout. Ça peut être sympa avec Lee, Silica et Lifa. Alors. On est parti. Bon. Est-ce qu'on devrait aller à l'endroit? Ok, ok. Bon, nous devons dans la zone du sud-est du marais. C'est parti. C'est bien là où je pense. Je crois qu'on va tourner en rond un moment encore. Direction la forêt de Robe Vieille. Oh, la musique. Oui, c'est ça. Ça peut paraître dingue, mais on va devoir aller un peu vers l'ouest, puis vers le sud, pour rejoindre le sud-est. Quoi ? Vers l'ouest, puis vers le sud, pour rejoindre le sud-est. Donc tu veux faire un quart de cercle. Très bien, première, allons-y. Attends. D'abord aller vers l'ouest, puis vers le sud, pour aller au sud-est. Donc tu veux faire un détour en gros. Attends. Parce que si on va vers... Du coup, vers... l'ouest. Ça fait qu'il faut traverser... J'ai emmerdé là. Il y a un truc que je comprends pas. Si, il faut, faut que je prenne le tunnel qu'il y a derrière moi. Pour commencer. Voilà. Qui est où? Putain, il est où? Il est où? J'ai un tunnel derrière moi. Oh, il est pas assez grand. Ok, déjà on va par là pour aller vers l'ouest. On va traverser le fleuve qui nous passe dessus. On va se retrouver dans une zone dans laquelle il faudra aller vers le sud. Et une fois qu'on sera tout au sud de cette zone-là, il faudra aller vers le sud-est. Oh bordel, vous connaissez mon sens de l'orientation catastrophique? On n'est pas rendu. Je vous le dis, on va passer l'épisode à chercher. Non, déjà, IRL, j'ai un sens de l'orientation déplorable. Mais alors, en jeu, même avec les cartes, les boussoles, les machins, c'est pas la peine. Aïe. Bon. Donc là, on descend au sud. Donc on prend à gauche. C'est ça? Et on devrait tomber sur une autre tour qui va nous faire passer par-dessous. Et, je veux pas me vanter, mais je crois que je suis dans la bonne direction. Pour une fois... Pour la première fois de tout Let's Play, je crois que je comprends la carte. Enfin, il y a un début à tout. Allez, dégagez-vous. Attends, je m'en souviens de ce truc. C'est la zone où on avait été. Et qu'on avait été pour rien parce qu'il n'y avait rien à y foutre. Et du coup, j'avais appelé l'épisode demi-tour, je crois. Ou un truc comme ça, perdu dans les bois, demi-tour, je crois qu'on a eu tout. Hein. En termes de nom d'épisode un peu étrange. Ouais, je m'en souviens de ce passage. Oh là là. Et oui, le buisson là, le bug du buisson dans la tour. Je m'en souviens très bien même. Mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Encore se perdre. Ouais, passe de Caroud. Passe de Caroud, ça me parle ça. Faut pas chercher.
Bon ben, allons à l'aventure, allons nous perdre. De toute façon, c'est pas comme si je connaissais pas la route. Je crois qu'on l'a fait aller-retour. On a bien traîné dans ce zone dans les épisodes précédents, donc je pense savoir où on va. Allez, c'est parti. Iso. Et donc, si je dis pas de bêtises, là on est dans la bonne zone. C'est comme ça que je comprends la carte. Forêt de mai. Non. Parce que si je monte, on repart au nord. Ah, mais c'est ça. On part au nord pour être au sud-est par rapport à la zone où on était. Mais pas par rapport à celle-ci. Ok, donc là, on va vers le nord-est. Les pointillés, quoi. Les pointillés de la map. Je me tâte. Je remets la map. Est-ce que je remets la map? Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, dégage. Bon, faire équipe avec première, c'est pas si désagréable que ça. Mais... ne pas avoir Kay dans l'équipe, ça manque un peu. De justesse, les sauts, franchement. Ouais, c'est la zone où on avait espéré. Avec des monstres partout. Je crois que c'est là où on avait zigouillé le dragon sylvestre ou un truc comme ça, il y avait un dragon. Je sais où je suis. Pour une fois, je suis pas perdu. Ah, une grotte. この辺り一帯は1000年くらい前は違う地名だったらしいんだ。そしてこの前のクエストで伝承っぽいものが見つかったことがあったし、調べてみる価値はあるわね。よし、進んでみよう。あ、奥に部屋がありますよ。見て、あそこにあるのって成績じゃない？やったー、ビンゴですね。 これで成績は3つ目だ。お待たせしました。お疲れ様、プレミア。さてと、うまいこと結果を出せたところで町に戻りましょうか。町に戻る前に寄ってほしいところがあるんですけど、いいですか？進めているクエストでどうしても必要な素材があって。 まだ時間はあるし、私は別に構わないわよ。俺もだ。素材集めに協力するよ。ありがとうございます。私もいいけど、その前にちょっといい？どうした？ほら、ここにも伝承みたいなものがないかなって思って。ああ、なるほど。前にあったような文章があればいいんだけど。 見渡す限り、それらしいものは見当たりませんね。
ということは次へのヒントもなしか。地道に歩き回るしかないみたいですね。前から思っていたんだけど、プレミアちゃんのクエストってあまりにヒントが少なすぎる気がしない？あ、まあ確かに。なんていうか、まだ奥があるのにそれを途中で止めたっていうか。途中で止めた？私がどうかしましたか？なあ、いや、なんでもないんだ。じゃあシリカが必要な素材を集めに行こうか。わかりました、行きましょう。了解、プレミア、スイッチだ。わかりました、えい。ナイス、プレミア。どうだ、シリカ、必要な数は集まったか？はい、手伝ってもらったおかげであっという間でした。それにしてもプレミアちゃんは随分戦闘に慣れてきたみたいですね。だろ、なかなかいい筋をしているんだよ。お茶の子さいさいです。なんかリズさんみたいなことを言っていますね。ちょっと悪口言って。違いますよ。でも本当に成長したって感じだよね。戦闘だけじゃなくて雰囲気とかも。初めて会った時に比べたら随分違うわよね。きっとプレミアちゃんのことを思う皆さんの影響ですね。みんなの影響か。よし、今日こそぶっ倒そうぜ。この作戦ならうまくいくべ。プレイヤーの団体だ。10人くらいいるわね。ボスクラスのモンスターでも討伐しに行くんですかね。いや、クエストをやっているんじゃないかな。パーティーに NPC が入っていたし。すごっ、この距離からよくわかるね。プレイヤーとか NPC ってつい観察しちゃうんだよ。どんな…関心関心、そういうとこ武器屋に向いてるわね。なんなら私が師匠になって家事のイロハをみっちり叩き込んでもいいわよ。遠慮しとくよ。ところでさっきの人たちは何のクエストを攻略しに行ったんでしょうね。あの NPC のクエストは確か炭鉱高に行って住み着いたモンスターを倒すってもののはずだけど。なるほど、討伐系のクエストですか。炭鉱ということは上質の鍛冶素材が手に入ったりするの？全然、至って普通の素材が手に入るだけなのよ。あれ、リズさんも知っているんですか？その当然、炭鉱が舞台だって聞いたら気になるじゃない。やっぱじゃあ効率の悪いクエストなんですね。まあ、いや、レベルが低いうちは報酬を得ればそれなりの稼ぎになるんだよ。低レベル？難易度は高くないんですか？ああ、別に高くないけど。でもさっきの人たちかなり大掛かりなパーティーだったよね。簡単なクエストのはずなのにあの人数って明らかにおかしいですよ。あれ、そういえば考えてみると炭鉱のある場所ってこの辺りじゃないわ。それじゃあさっきの人たちは何をしていたんだろう。あっちの方って何かあったっけ。あの方角は C'est louche。そうか、
わかったぞ。急いで追いかけよう。Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais bien savoir aussi. Oh, ça pue. C'est ça le monstre. Oula. PCが狙われ始めた。ちょっと待ってくれ。おい、なんだあんたたち。今は俺たちがこいつを飼っているんだぞ。分かってますけど、ネームドモンスター相手におとりなんてさせたら、それがなんだよ。NPC なんだからどうなろうが問題ねえだろ。このゲームで NPC が命を落とすと、その NPC は二度とリポップしないって知ってるの？知ってるけど、ちゃんと同じ役回りで他のキャラがポップするだろ。そういうことじゃなくて、このゲームでは割と効率のいい戦法なんだ。俺たち以外にもやってるやつはいるぜ。それにこの方法ならブルーカーソルにもならないしな。なあ、やっぱおとりなんてやめようぜ。はあ？何言ってんだよお前。だってよ、 NPC だって言っても死んじまったらそいつ二度といなくなるんだぜ。まああまりいい気分はしねえよな。そうですよ。 NPC だぞ、本気で言ってんのか？なあ、あんたたち。なんだよ。やんのか？いや、そうじゃない。あんたたちのやろうとしていることが攻略法の一つなのは分かっている。だから止めようってわけじゃないんだ。ただ、俺たちにこの戦闘を手伝わせてくれないか？手伝うだ？なあ。俺たちは別に報酬はいらない。一緒に戦わせてくれるだけでいい。ラストアタックも譲るし、ドロップしたアイテムも全部差し出す。 NPC のために報酬もなく戦うのか？そうだ。どうするよ。理由はどうあれ、人は多い方がいい。手伝ってもらおうぜ。わかった、全員を頼んでいいか？了解、任せてくれ。リサちゃん側面から、俺とプレミアは正面から攻める。オッケーよ、それじゃ始めましょう。プレミア、行くぞ。はい、わかります。おい、そいつも NPC じゃないか。違うよ、仲間だ。仲間？さあ、戦闘開始だ！ゴー！はあ、お疲れ様。そっちも、ご苦労。これだけの人数がいてもかなり手こずったね。アルゴさんの話の通り、かなりの強敵でした。お疲れ様、キリト。ナイス活躍だったよ、プレミア。はい、お茶の子サイサイです。おい、あんたら。なあ、報酬を渡すよ。
さすがに分配された経験値は渡せないけどさ。飛び入りだったけど、うまいこと戦闘が噛み合ったな。おかげで犠牲者はゼロだった。NPC を含めて。手を貸してくれてありがとうな。おかげで後味の悪い思いをしなくて済んだよ。うん、よかったよ。大した戦い方だったな。あんたの仲間全員とも。また機会があったら一緒に戦おう。オッケー、いつでも声かけてくれ。よし、みんな引き上げよう。 NPC も連れて帰ってくれるみたいですね。ああ、キリト嬉しそうですね。プレミアやみんなが協力してくれて犠牲者を出さずに済んだからだよ。つまり私たちはいいことをした。まあ嫌がられてはいないみたいだったな。戦いを始める前、あの人たちの間でいざこざが起きましたが、あれはなぜでしょう。ああ、難しい話だな。少なくとも俺はあの剣士の可能性が消されることに納得ができなかった。可能性？例えばさ、俺とプレミアが明日出かけた先でとても美味しい果実を見つけるかもしれない。すごく綺麗な景色を眺めることができるかもしれない。面白いことが起きて二人で笑い続けるかもしれない。そうした可能性は誰にでもあるものだと俺は思っているんだ。誰にでもある可能性、それを守りたかった。ああ、それを勝手な都合で奪うことは俺はしたくないし、あの人たちの中にもそう思う人がいた。だから言い争いをしていた。可能性を守るため。ああ、プレミアにもあるだろ、可能性。私にもある。さあ、俺たちも戻ろうか。歩き回って戦闘して腹が減っちゃったよ。はい。 VR の研究として開発されたこのゲームは、いわば人間の都合で作られた世界だ。その世界の NPC たちはみんな AI 化され、限りある命として設定されている。人の都合により作り上げた世界の中で、人の勝手で消されていく命。今の俺は目の届く範囲でしか NPC のことを守ることはできない。だけど根本的に解決するためには絶対に人の力が必要なはずだ。その答えが分かるまでは今はできることをやっていくしかない。Eh bien, une sacrée leçon dans cet épisode. Épisode qu'on va arrêter là, je pense. Je pense que je vais vous dire au revoir juste là. Maintenant qu'on a ouvert un autre niveau, on va trouver d'autres zones liées à la quête de première. On continue. Mais dans le prochain épisode, c'était Kirito Knight 064 alias Kirito. À bientôt!